retrouve dans une vidéo assez spéciale parce que on est où? Chez mamie. Chez mamie. Alors on est rentré de l'école et on a découvert un super colis. Un colis. Eh oui, un colis de qui? De Stécie. De Stécie. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, Stécie? Elle a quoi? Elle a une c'est une abonnée. Elle a une chaîne. YouTube. Et oui, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Stacy Nounette. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir dedans, sa chaîne. Dedans, il y a Mario Abeille. Vous voyez pas ça y est. Alors elle a une chaîne YouTube, donc bien sûr, le lien de sa chaîne sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors nous, on a reçu un swap, mais un swap dégustation de produits de sa région. Alors vous savez où est-ce qu'elle habite, Stacy? Non, je peux rien voir avec. Non, tu peux pas voir. Mais tu peux pas le voir sur la boîte où est-ce qu'elle habite. Alors moi, je vais vous le dire, elle habite... dans l'Ain, donc le 01, c'est dans, c'est juste à côté ben de pays où de la région où on mange les cuisses de grenouille. Donc Bourg-en-Bresse, on n'est pas très très loin. Donc à l'intérieur, il y a plein de produits de sa région. Quoi, mais en swap. Oui, Bourg-en-Bresse, ouais, à côté de Bourg-en-Bresse. Ah, Bourg-en-Bresse. Donc là, il y a plein de produits de sa région, donc on va découvrir ça en vidéo. Est-ce que ça vous dit, les loulous? Oui. Yay. Et ouais, elle a fait ça bien, hein, Stécie. Hein, j'espère alors qu'elle va pas nous faire un gros prank. Ouais. Ah oui, j'espère que ce sera pas un prank. Hein. Ah ouais, parce que là, on commence alors, normalement, à c'est scotch. Bon. Ah, là, il y a plein de scotch. Alors, je crois que je vais aller chercher de quoi ouvrir tout ça. Bah, c'est mal, en fait. Non, vous y arrivez? Bon, bah, si vous y arrivez, alors. Vous êtes des barbares, les enfants. Vous êtes des barbares. Des couteaux. Waouh! Alors qu'est-ce qu'il y a d'intérieur? Waouh! Trop beau! Fais voir! Ah bah les mots sont plus énormes! Waouh! Alors là, franchement, c'est trop beau! Oh waouh! Oh, regardez les amis, comme c'est trop trop beau! Alors franchement, j'adore! Waouh! C'est le menu en fait, regardez! Waouh! Mais qu'est-ce que c'est ça? J'adore! Waouh! Oh là là, mais il y a plein de choses à l'intérieur! Alors attendez, parce que en fait c'était pas prévu, on va faire un swap dégustation. Mais à l'intérieur, elle nous a mis une méga boîte de bracelets Loom. Et moi? Regardez juste la quantité gigantesque d'élastique qu'il y a. Alors faut savoir que Corentin et Océane adorent faire des bracelets comme ça. Oui, et moi j'en ai cassé. Qu'est-ce qu'on dit à Stécie? Merci. Et Corentin, toi? C'est des os. Il est en train de chercher. Le bruit que ça fait. Alors, est-ce que tu dis un petit mot à Stécie? Merci. Alors là, regardez ce menu comme il est magnifique. Attends, je peux le lire? Waouh, il est vachement beau. Hein. J'adore. Et qu'est-ce que tu as là? Alors, oh, mais c'est comme les boules de mammouth. J'ai étonné là. Alors, on a ça à l'intérieur. C'est comme des boules de mammouth en version sucette. Alors ça, c'est pas il y a mal. Des pinceaux de 1, de 2, de 3. C'est vraiment trop beau. Franchement, merci, mais attends, merci, il je ne m'attendais pas ça. Du chewing-gum qui ne se mâche pas. Alors, ben voilà. Alors, on va commencer le swap. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un septième. Bonus. Ok. Ben, super. Ben, merci. Franchement, en tous les cas, merci. On est déjà super gâtés. Alors, le numéro 1. Alors, attends, attention. Il est là, le 1. Un chewing-gum. Moi, je le dis à la française. Hein. Un chewing-gum qui ne se mâche pas. Ok. Attends, il y a ça d'abord. Idée. Ah, il y a quelque chose. Ah, attends. On va lire le petit courrier. Bah, tu vas peut-être lire tout seul alors. Bah oui, comment t'as essayé? Oh, il y a un petit chat. Oh, un trop petit beau. Chat. Un petit chat. C'est avec l'arrière. Trop beau. Ah bah c'est que ça. C'est toi. Ouh. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Corentin et Océane et la maman et le papa. Stécie et Sylvie. Bonjour Kids Studio Test. Nous sommes ravis de vous envoyer ce colis rempli de surprises. On espère que ce swap vous plaira. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à le faire rien que pour vous. On a hâte de vous voir. Le dépalé. Le découvrir
et on vous souhaite plein de bonnes choses. Encore merci et bon swap. Plein de gros bisous. Oh merci, merci. Franchement, on lui fait quoi ? Un gros câlin. Et après, il y a marqué un gros câlin. Stacy Nounette. Et oui, bah merci. Bah allez voir, franchement, allez voir sa chaîne. Parce qu'elles sont géniales. Donc merci, franchement, ça nous touche vraiment. Donc oui, le bonus, oui, encore on a déjà trouvé le bonus, mais on va peut-être commencer par le swap, le numéro 1 alors. Ok, bon ben merci, je suis vachement touchée en fait. Hein. Donc le 1, c'est un chewing-gum qui ne se mâche pas. Aucune idée. Aucune idée, Corentin ? Ouah non, un chewing-gum, ça se mâche. Bah ouais, un chewing-gum, ça se mâche. Des bonbons ? Bah je sais pas, ouvre. Alors ce sont des spécialités de l'un. Alors on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Peut-être tu déchires comme ça, regarde sur les côtés. Clac. Voilà. Poup là. Attention, attention. Oui, je disais que ça pouvait être fragile, donc on va faire attention pour la suite. Alors, c'est quoi ? Waouh ! Mmh ! Oh ! Du sirop de bubble gum. Regardez les loulous. Vas-y. À la liste de Noël, ouais. Regardez les loulous. Regarde. C'est du sirop au chewing-gum. Je suis homme qui se mâche pas, c'est vrai. Eh oui, ça se mâche pas, il se boit. Oh, c'est Anne. Mais... Je les connais, c'est des gâteaux. Non mais regarde l'emballage, loulou. Mais... C'est pas l'emballage qu'on regarde, c'est le... N'importe quoi. Est-ce que... Océane, est-ce que tu connaissais ça ? Non. Non, nous on n'a jamais goûté de chewing-gum. Enfin, de sirop au bubble-gum au final. Et... Alors on continue avec le numéro 2 qui est... La vache qui vient du pays... Alpin. La vache qui vient du pays alpin. Ah oui, il faut savoir que c'est pas loin de la montagne. Okay. Là où on fait du ski. Moi, je pense, j'ai une petite idée là-dessus. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être de cette forme-là ? Regarde la forme qu'elle a, ta sœur. Je pense que ça peut être quoi, Océane ? Non, je vais pas spoiler. Tu sais pas ? Des petites vaches en bonbons ? Non, ouais. J'ai plutôt une idée, une idée un peu chocolatée, on va dire. Oh, des vaches en chocolat. Des vaches en chocolat, pourquoi pas? Des vaches en chocolat. Moi je dis des bonbons. Oh, de Milka. Du Milka? Peut-être. Bah oui, les Milka. Non, je sais pas si ça vient de chez Stacy, hein, le Milka. Mais le Milka, réfléchissez, il y a tout le temps des vaches dessus dans la montagne. Et voilà. Ah bah t'avais raison. Ah bah ouais, tu es trop fort. Ah bah je savais pas, tu vois. Ah que bah, le Milka, ça venait de là-bas. Ok. Ah bah regardez la vache. Trop bon Milka. Alors ce sont des mini-bars. Milka mini-bar. Ça va être trop bon. Bah on goûtera dans du... Et on va bientôt manger, donc on ne mange pas de bonbons, pas de sucreries avant de manger, bien sûr. Alors regardez les amis. Alors c'est du Milka, des mini-bars. Waouh, ça doit être trop bon. Ça ressemble un peu au Kinder. Au Kinder chocolat. J'adore ça. Oh merci, on va se régaler. Il faudrait... Il faudra lui prévoir une cage et du gruyère. Ah, une cage et... une souris ? Non, c'est une souris. C'est le numéro 3, Louloute ? T'es sûre que c'est le 3 ? C'est Océane qui l'a. Peut-être qu'on aura un nouvel animal de compagnie. Peut-être. Je sais pas. Un animal de compagnie. Je pense pas que ça se mange un animal de compagnie quand même. Un animal en compagnie qui se mange. Et ça marche pas. Alors attention, justement, ça peut être fragile. Justement, voilà, en chocolat ou un bonbon ou un truc comme ça, tu vois. Voilà, en chocolat, voilà, c'est ce que j'ai dit. Des petits souris, un chocolat. Alors c'est vrai que là-bas, hein, il y a les alpages, il y a les vaches, il y a le chocolat, il y a la Suisse pas très loin. Miam, 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 des souris au caramel. Miam, c'est trop beau, tiens. C'est trop beau, tiens, maman. Alors on continue avec le numéro 4. Alors c'est quoi le 4, Corentin ? Un sachet pour les gourmands. Un sachet pour les gourmands. Un sachet rempli de gourmandises. Oh. Ah ouais, c'est sûr. Et Osem ? Tu dis quoi ? Ok. Tu sais quoi ? Osem est en train... Tu crois que je te vois pas en train d'ouvrir la boule là ? Miam. Oh, c'est trop bon, c'est les macarons. Ah, 160 grammes. Il dit le grammage. Est-ce que je peux ? Oui, si tu veux. Bon, ça t'en as pour un siècle avant de le finir. Hein. Alors ça, c'est quoi ? Des sablés aux pralines. Miam, 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 des petits gâteaux. Corentin, c'est aux pralines. Oh.
Ça doit être trop trop bon. Merci, merci beaucoup. Alors, je crois que le papa aussi, il va bientôt arriver parce qu'il va vouloir se régaler aussi. Hein. Donc, vraiment merci. Ensuite, on est avec le numéro... Ah, ça a l'air d'une boîte en métal. Le numéro 5, alors c'est quoi? Un petit clin d'œil de notre région. Un petit clin d'œil de notre région. Alors là, franchement, je vois pas du tout. Moi non plus, parce que nous, on connaît pas. Non. Alors, Zéane, elle est grosse, sa bague, hein? Ah ouais, hein, c'est la bague de l'ogre. Hein. Oh, une boîte. Ah, j'adore les boîtes. J'adore les boîtes pour ranger. Je range plein de choses, moi, dans les boîtes. Des perles, plein de choses. Waouh. Ça devrait être un lieu de là-bas. Ouais, je pense que c'est un lieu dans une cathédrale. C'est une boîte à biscuits, je pense. Non? Enfin, c'est peut-être marqué derrière ce qu'il y a. Non? Pas marqué? Gourmandise nature. Ok. Bah, tu veux que je t'aide? Alors les amis, nous avons eu là une boîte avec une petite cathédrale, je pense. Alors Stacy, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires et nous dire où est-ce que c'est. Quel est ce monument? Et même les petits copains, si vous le connaissez, dites-nous quel est ce monument dans les commentaires. Ce sera sympa. Alors, dedans, il y a des gaudrioles nature. Alors c'est quoi les gaudrioles nature? Attention, je vous montre. Attention, 3, 2, 1... Les petits sablés. Miam, 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 miam. Non, non, non. Après. Non, non, non. Océane, elle a mis le gros sucette dans la poule. Regarde-moi, Océane. Tiens la langue, ma puce. Oh, elle est toute noire. Alors, c'est des petits sablés à l'intérieur de la boîte. Alors, je vous montre mieux, les amis. Miam, on va se régaler. Il y a plein de sablés. C'est l'église. Ces petits sablés comme ça. Alors, je sais pas quel goût c'est. Mais c'est une église, t'as raison. Sablé nature. Oui, c'est une église, mais d'où? Bah, d'où? De la Wallabita. Ah, bah, ouais, de la Wallabita. Alors, dites-nous, où est cette église? Enfin, cette cathédrale, je pense. Non, bah, ouais, non, je sais pas. Bon, ça a l'air super bon, en tous les cas. On adore les petits sablés pour Noël, c'est super bon. Mais il y en aura plus à Noël, il y en aura plus, hein, ça c'est sûr. Ensuite, numéro. 6. Du coco. Du coco et encore du coco. De la poudre de coco. Des noix de coco râpées. Oh, le blanc. Alors qu'est-ce que ça peut être? Oh, non, on adore la coco. La poudre, tu sais, dès qu'on est râpe. Waouh, trop bon. Oh, j'adore ça. Oh, merci. C'est pour moi, c'est tout pour moi. Allez, merci. Non, c'est tout pour merci. Moi. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Mon alors, précieux. Ce sont des boules de coco, c'est de la meringue à la coco. Je mangeais ça quand j'étais petite et ça fait au moins 20 ans, 25 ans que j'en ai pas mangé. Et ne dites pas que je suis vieille dans les boules commentaires. Boules de coco, ouais. Alors, c'est des super. Ouais, je sais, bon. Elle a 100 ans. Alors, je savais pas que c'était une spécialité de chez Stacy. Maman voilà. Donc, on en apprend tous les jours. Non, maman, t'as 100 ans, la vieille mamie. Merci. Alors, voici. Les boules de coco, alors c'est trop bon. Donc, dites-nous dans les commentaires. Pour ceux qui sont plus âgés, si vous mangez ça quand vous étiez petit, parce que moi j'adorais ça et j'adore toujours ça. Ça va être un prank, je le sens, le cadeau bonus. Ah. Tu finis à marquer cadeau bonus. Ça y est, t'es parti au cadeau bonus. Ah bon, ouais. Regarde, tu peux tirer dessus. Il y a marqué quelque chose, non? Non, sur le menu. Regarde sur le swap. Tu peux tirer le petit. Tire la petite ficelle. La petite ficelle, voilà. Tire. Ah là, il y a marqué quoi? C'est trop chouette. Ah, moi j'adore cet emballage. Enfin, pas cet emballage, ce menu en fait. Il a arraché la vraiment pluie. On va le mettre dans la chambre. C'est trop beau. De chocolat qui vous donne des boutons. Hein? Une tablette de chocolat qui nous donne des boutons. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux pas en manger, moi. Du chocolat qui donne des boutons. C'est Wesley. Ah ouais. Les bonbons blancs. Ah, ouais, peut-être. Il y a Lily qui me dit que c'est peut-être les bonbons de Harry Potter, mais... Les bonbons à flemme. C'est un chocolat. Ah, trop bien. Trop bien. C'est un moule en silicone pour faire des chocolats en forme de boutons. J'en avais pas. On va pouvoir le tester en vidéo. Pour faire, moi je croyais que c'était des boutons dans le visage. Il y a Lily qui est morte de rire derrière. C'est trop bien, j'adore, ils sont trop bons. Oh, regardez les amis. Ah, ce sont des boutons, en fait des boutons chocolat.
enfin pas des boutons au chocolat, un moule pour faire des chocolats en forme de boutons. Alors, vous savez quoi? On fera une recette avec ça, on fera des chocolats pour Noël, ça peut être trop bon. Oh, trop bien, j'adore. Il est trop bon hein, ce moule, hein. Donc, on est en train de faire la bataille des papiers cadeaux. Alors, les loulous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce swap? Super génial, ouais, vraiment, merci. Merci à Stécie et sa maman. Vous voulez peut-être dire un petit message à Stécie et sa maman? Merci beaucoup, Stécie. Et aussi beaucoup. Sa maman. Bah, sa maman, elle s'appelle comment? Sylvie. Eh oui, bravo. Donc, merci à Sylvie et puis Stécie et puis le papa aussi, quand même. Il a quand même contribué à ce swap. Merci vraiment. Le menu, on va le garder parce que franchement, il est trop beau. On va le mettre sur le mur. Il est vraiment trop beau. Franchement, vous êtes des artistes, les filles. Les bracelets, on va s'éclater. Et puis, comme on fera la dégustation dans une autre vidéo, et puis peut-être dans un endroit assez particulier, je réserve d'autres surprises par la suite. Les enfants ne sont même pas encore au courant. Donc, voilà. Donc, on vous fera une petite dégustation assez spéciale. Je ne peux jamais manger cette cuisette là. Attends, t'as un plan sous la bouche. Alors, je vois qu'Océane, elle est en train de se régaler. Et puis, les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent aller faire? Ils peuvent aller voir quoi? Leur chaîne. La chaîne de Stécie Nounette. Donc, ce sera bien dans la barre d'infos. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait un gros bisou. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire quoi? Un petit pouce vers le haut. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Activez aussi la petite cloche de notification si c'est pas déjà fait pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait le gros bisous. Bisous les amis, ciao ciao.